Le poussin et le chat. C'est l'histoire d'un poussin et de sa maman. Sa maman, comme beaucoup de mamans, est une vraie mère poule. Un jour, mère poule prépare un gâteau au chocolat. Poussin a la bougeotte, il gigote, il tournicote, il l'asticote, il veut aller jouer dehors. D'accord, dit sa maman, mais tu ne vas pas loin, tu restes dans le jardin. Si jamais tu vas plus loin, le chat te verra et il te mangera. Oui, oui, dit Poussin, qui est déjà dehors. Il saute, il chahute, il court, fait des culbutes et se retrouve nez à nez avec le chat. Viens ici, toi, je vais te manger. Attends, chat, dit Poussin, ma mère prépare un gâteau au chocolat. Si tu ne me manges pas, tu en auras la moitié, rien que pour toi. D'accord, dit le chat. Je t'attends ici, je ne bouge pas. Poussin prend ses pattes à son cou. Il court comme un fou, rentre dans la maison et claque la porte. Maman, maman, le chat, je lui ai promis la moitié du gâteau au chocolat. Ça tombe bien, mon poussin. Il est cuit à point. Elle pose le gâteau tout chaud sur un plat, le coupe en deux. Cette moitié est pour toi, celle-là pour le chat. Mange ta part, mais surtout ne touche pas la part du chat. Oui, oui, dit Poussin qui mange déjà. Le gâteau est encore chaud. Il sent bon la cannelle. Poussin mange une bouchée, puis une autre, et encore une autre. Les yeux fermés, il savoure. C'est bon, il lèche ses doigts. C'est si bon que bientôt, il n'y a plus rien dans le plat. Zut, maman, j'ai tout mangé, même la part du chat. Et juste à ce moment, toc, toc, toc. Le chat frappe à la porte. Je veux ma part de gâteau au chocolat. Ouh là là, voilà le chat. Mère poule regarde partout autour d'elle, cherche une cachette et voit la cruche dans un coin. Viens vite, mon poussin. Ils bondissent dans la cruche. Ouf! Le chat ouvre la porte. « Je sais que vous êtes là. Je veux mon gâteau au chocolat. Gare à vous si je ne le trouve pas. » Au fond de la cruche, Mère Poule et Poussin ne bougent pas. Poussin a le nez qui picote. Il chuchote. « Maman, je vais éternuer. Ach. Chut, le chat est là. » Le chat voit la cruche. Le chat s'approche de la cruche. Maman, juste une fois. Ach. Chut. Le chat n'est plus qu'à un pas. Allez, maman, juste une demi-fois. Ach. Chut, tais-toi. Le chat pose une patte sur la cruche. Maman, ach. Bon, tant pis, vas-y. Achoum. Boum. La cruche éclate en mille morceaux. Le chat hurle « Au secours, la maison s'écroule !» Il se sauve à toute vitesse. Poussin et sa maman le regardent disparaître au loin et éclatent de rire. « On l'a bien eu, hein ?»« Ah ça, on l'a eu !» Et pour se faire du bien, ils ont bu du thé. Et vous savez ce qu'ils ont mangé avec le thé ? Des langues de chat trempées dans du chocolat.